Bienvenue dans l'esprit d'actu. Quel est le but de l'agression israélienne contre Gaza? Pour en parler, je reçois Alain Gresh, directeur adjoint du Monde diplomatique, spécialiste du Proche-Orient. Alors bonjour Alain Gresh. Bonjour. Alors quel est le but de cette agression israélienne contre Gaza? Est-ce que c'est de ramener Gaza au Moyen-Âge, comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur israélien? On peut penser qu'il y a plusieurs objectifs. D'abord, il y a des élections israéliennes en janvier. Et beaucoup des opérations militaires israéliennes se sont tenues avant les élections. Rappelons-nous l'opération Plomb durci contre Gaza en décembre 2008, janvier 2009. Le gouvernement Olmert était à la veille d'élections. Il faut dire que ça l'a aidé à perdre les élections. Et l'idée qu'une opération militaire va forcément aider le gouvernement, elle n'est pas vérifiée par les faits. Mais il y a cette dimension. Il y a aussi une dimension que Israël refusant toute solution politique, les tensions à la frontière entre Gaza et Israël sont toujours permanentes et que donc il y a une volonté de casser l'appareil militaire du Hamas qui s'est reconstitué, qui est relativement puissant. Je veux dire, il faut quand même faire la part des choses quand on compare la force militaire d'Israël et du Hamas, ça n'a rien à voir. Mais il y a un appareil, on a vu notamment en termes de fusées, et que ça, ils veulent le casser. Je ne suis pas très sûr qu'ils aient un objectif très clair ou qu'ils sachent où aller. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, ils ne savent pas comment se sortir de cette impasse, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils veuillent envahir Gaza. Et en même temps, accepter un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est reconnaître qu'on retourne au statu quo, donc pourquoi l'opération? Donc eux-mêmes sont dans des contradictions importantes. Alors je voudrais que l'on revienne un peu sur l'assassinat de Ahmed Jabari, qui est présenté en Europe comme un dangereux terroriste. Or, le quotidien Haaretz affirmait dans son édition présenter Ahmed Jabari comme étant un sous-traitant en charge du maintien de la sécurité d'Israël dans la bande de Gaza. Alors évidemment, la formule est un peu polémique. Donc c'est le chef militaire du Hamas, et comme vous savez, depuis l'opération Plomb durci, c'est-à-dire la fin de l'opération, c'est janvier 2009, il y a un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ou l'autorité qui est en charge de Gaza. C'est le Hamas qui est chargé de l'appliquer, et il essaye de le faire appliquer contre des fractions palestiniennes plus, entre guillemets, extrémistes, que ce soit le djihad islamiste, les comités de résistance populaire, ou même des groupes qui se réclament d'Al-Qaïda. Mais ce cessez-le-feu, évidemment, il l'applique dans la mesure où Israël l'applique. C'est-à-dire que le Hamas fait face aussi à une surenchère, et quand il y a des interventions israéliennes qui tuent des militants palestiniens, le Hamas est aussi partie prenante de la riposte palestinienne à ces attaques. Mais c'est évident que le Hamas n'est pas, contrairement à ce que prétend Israël, ou ce que prétend d'ailleurs le gouvernement français qui refuse de parler avec le Hamas, une organisation terroriste, mais une organisation qui a d'abord, rappelons-le, gagné les élections de janvier 2006 en Cisjordanie et à Gaza, et qui est une organisation représentative des Palestiniens, et qui a l'autorité sur la population palestinienne, donc qui doit gérer à la fois la vie quotidienne, mais aussi la résistance face à Israël et à l'occupation. Alors on va parler des relations entre le Hamas et l'Iran. On sait que c'est l'Iran qui fournit notamment les fameux missiles Fajr 5. Quels sont actuellement l'état des relations entre l'Iran et le Hamas? On parle d'une détérioration. Oui, je pense qu'il y a, si vous voulez, après les printemps arabes, il y a une espèce de redistribution des cartes dans la région, et notamment à la suite de l'insurrection qui existe en Syrie. Comme vous savez, le gouvernement iranien soutient le gouvernement de Bachar el-Assad, alors que le Hamas, qui est issu, comme on sait, des frères musulmans, soutient l'insurrection. Donc il y a eu une détérioration, et on dit que l'Iran aide plutôt le djihad islamique et a réorienté une partie de son aide. Mais ceci étant, la coopération existe. L'Iran et le Hezbollah ont intérêt, dans le cadre des rapports de force, à aider à une formation militaire des cadres palestiniens. Mais je voudrais faire une remarque quand même, parce qu'il y a toujours cette idée, le Hamas reçoit des armes, etc. Mais Israël reçoit 100 fois plus d'armes du côté américain, sans que personne ne trouve ça anormal. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Égypte. Donc le président Mohamed Morsi, qui est issu de la confrérie des frères musulmans, donc tente d'agir diplomatiquement. Est-ce qu'il a réellement une marge de manœuvre? Écoutez, je pense que d'abord, il y a un changement de la politique égyptienne. Je vais y revenir. Mais il n'est pas tellement dû au fait que ce sont les frères musulmans qui sont au gouvernement. Il est dû au fait qu'on a aujourd'hui en Égypte des gouvernements qui sont responsables devant leurs électeurs et devant une opinion publique qui est à 100% derrière les Palestiniens.
Avant, on avait une situation où Moubarak pouvait appuyer Israël dans ses agressions et maintenir, par sa répression, empêcher le peuple égyptien de s'exprimer. Aujourd'hui, aucun gouvernement égyptien ne peut le faire. Donc ça, c'est un changement très profond. Évidemment, le fait que c'est les frères musulmans qui soient au pouvoir à travers Morsi accentue ce fait. Et on voit bien dans les négociations, il y avait ce matin dans Haaretz un article qui faisait parler à un responsable israélien en disant « Avant, nous avions, quand nous négocions avec le Hamas, les autorités égyptiennes et nous, nous avions les autorités égyptiennes de notre côté, en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. » En même temps, il ne faut pas surestimer la marge de manœuvre de l'Égypte. À la fois, l'Égypte est prise dans des problèmes internes très, très importants. Elle ne veut pas rompre le traité avec Israël, elle ne veut pas rompre les relations avec les Américains. Donc tout ça, évidemment, pèse sur la marge de manœuvre qu'a le gouvernement Morsi. Alors sur la position française, donc Laurent Favis, ministre des Affaires étrangères, donc, s'est rendu en Israël. Il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En revanche, il n'a pas rencontré les responsables du Hamas. Quel regard portez-vous sur la diplomatie française, sur le dossier palestinien en règle générale? Vous affirmez même que François Hollande est en recul par rapport à Nicolas Sarkozy sur cette question, qui, soit dit en passant, n'est pas une référence. Non. Il faut dire qu'on est dans une continuité de la politique étrangère concernant la Palestine depuis les deux dernières années du mandat Chirac. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que Chirac était pro-palestinien, etc., il ne faut pas oublier que c'est Chirac qui a imposé à l'Union européenne le boycott du Hamas. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc on a un changement qui s'est opéré en 10 ans, d'une position, je dirais, pour moi, équilibrée sur une volonté de contribuer de manière active à une solution fondée sur deux États, à une position de principe qui n'a pas changé, c'est-à-dire on dit toujours qu'on est pour deux États, mais dans la réalité, on est dans une alliance de plus en plus stratégique avec Israël, sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on développe des relations sans précédent, non seulement la France, mais l'Union européenne économique avec Israël, mais politique, militaire, sécuritaire. J'ai écrit quelque part qu'on retourne en 1956, quand le gouvernement français de Guy Mollet soutenait le gouvernement israélien dans son agression contre l'Égypte. Donc il y a vraiment un changement important, mais le paradoxe, c'est que ce changement n'a jamais été vraiment discuté. Il n'est même pas reconnu par les responsables, et ce qui rend d'une certaine manière difficile de l'attaquer. Parce que le gouvernement français dit « Mais ah non, nous on est contre la colonisation, on est pour les deux États ». Mais dans la réalité, on le voit bien dans le voyage de Fabius en Israël, même dans ses déclarations. En fait, il fait porter au Hamas la responsabilité de l'escalade, pas à l'occupation. Et on fait comme si Israël n'occupait pas la Palestine et ne refusait pas toute négociation politique. Et paradoxalement, alors qu'on sait que la position d'Israël, finalement, a pour conséquence de renforcer le Hamas et d'affaiblir l'autorité palestinienne, on ne fait rien de ce point de vue. Et une des conséquences de ce qui se passe à Gaza, c'est la marginalisation totale de l'autorité palestinienne. Alors, Ziad Klo, que vous connaissez, qui était ex-conseiller juridique de l'OLP, donc qui a participé aux différentes négociations entre Israéliens et Palestiniens, a écrit un ouvrage avec comme titre « Il n'y aura pas d'État palestinien ». Donc il affirme que les négociations israélo-palestiniennes ne sont qu'un simulacre et qu'elles sont même un moteur de ce conflit. Écoutez, il y a un consensus de la communauté internationale aujourd'hui sur l'idée qu'il faut deux États. Alors on peut discuter parce qu'il y a effectivement aujourd'hui 500 000 de colons qui sont dans ce futur État palestinien, qui n'a pas les conditions politiques, etc. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est une arme aussi aux mains des Palestiniens, qui est une base légale internationale de droit qui dit Israël doit se retirer de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Et je pense qu'il faut faire pression sur les gouvernements occidentaux, et en particulier européens, pour qu'ils mettent leur politique en accord avec ce principe. Autre chose est le débat qu'on peut avoir, et effectivement je comprends très bien qu'il y ait des doutes sur aujourd'hui vers quoi on va aller, sur est-ce que la solution des deux États est viable ou est-ce qu'elle n'est pas viable. Ça c'est, je dirais, c'est autre chose. Mais c'est important de dire, le gouvernement français doit mettre ses actes en accord avec ses paroles, c'est-à-dire dire clairement que c'est Israël qui refuse la négociation et surtout pas ce qu'il appelait à la reprise inconditionnelle des relations, des négociations, dont on sait que si elle est inconditionnelle, on met en face à face une partie forte et une partie faible et on dit « entendez-vous ». Évidemment, ils ne vont pas s'entendre
Parce qu'Israël ne veut pas laisser les territoires occupés, il ne veut pas laisser une partie importante des territoires occupés. Alors, vous êtes journaliste. Quel regard portez-vous sur la façon dont les médias français traitent des bombardements sur Gaza? Ce qui me frappe le plus, c'est les deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, quand on parle de beaucoup de conflits, par exemple, quand on parle du conflit syrien, la presse française, les médias n'hésitent pas à prendre la position et à dire « nous sommes du côté des rebelles contre un pouvoir autoritaire ». Quand on parle de la Palestine et d'Israël, on parle comme si on avait face à face deux parties égales qui se battaient, alors qu'on a d'un côté une des plus puissantes armées du monde, de l'autre un groupe de guérilla. Donc c'est vraiment tout à fait différent. Je donne un exemple. En Syrie, personne n'a jamais reproché aux insurgés syriens de se battre à l'intérieur des villes. Et personne n'a dit « ils prennent en otage la population ». Aujourd'hui, quand on parle de Gaza, on dit « le Hamas prend en otage la population ». C'est quand même assez curieux comme double langage. On le voit bien aussi dans toujours pour prendre l'exemple syrien, je veux dire, tout le monde met en lumière l'utilisation par l'armée syrienne de l'aviation, des hélicoptères et la différence de rapport de force. Et beaucoup de journaux appellent à armer l'opposition syrienne. Pourquoi personne aujourd'hui n'appelle à armer les Palestiniens pour se défendre face à l'agression? Ça a l'air, je veux dire, quand on dit ça, les gens disent « mais comment vous pouvez dire une chose pareille ?» Mais on dit cette chose parce que effectivement, les Palestiniens aujourd'hui sont dans un mouvement de résistance. C'est ça qu'il faut rappeler. On n'est pas deux parties égales, Israël et enfin deux États qui se battent. C'est pas Israël et l'Égypte, c'est pas Israël et la Syrie. C'est Israël et une population qui vit sous occupation. Et quand on vit sous occupation, on a droit à résister. Merci à vous, Alain Gresh. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.